水遁水流弾の術。この霧の中で俺を倒そうなんざ甘いんだよ。こいつ、この俺が後ろを取られるとはな。ザブザ、お前は俺に勝てないよ。どの口がほざいてやがる。勝てねえのはお前たちの方だ。お前も分かっているんじゃないか。あのガキたちじゃ白の相手は荷が重すぎるってな。奴らには人を殺す覚悟はない。だが白は違う。小さい頃から俺が徹底的にファイティングスキルズを叩き込んだ。血系限界という恐るべき機能を持った戦闘機械だ。忍びに感情は不要。必要なものは力のみ。貴様にもあのガキどもにもないものだ。お前はどうした。せっかく俺の背中を取ったんだ。かかってこいよ。まさか今さらおじけづいたってのか。なら俺の方から行かせてもらうぜ。いい反応だ。それくらいはやってもらわねえとな。忍びに感情は不要か。だがザブさん、お前ほどの男なら分かっているはずだ。たとえ忍びだとしても感情をなくし、機械として生きることはできないと。お前もあの少年も人間なんだ。L'un des sept épées du bruyère, le porteur du tranchoir Zabuza Momoshi est le spécialiste de technique Yoton Haku, qui est un gars ou une meuf, j'ai jamais compris. Dans le pays des vagues, ils ont affronté ensemble l'équipe 7. Zabuza suivait les ordres de son employeur, un dénommé Gato, un gros riche de mes couilles. Ce mercenaire avait essayé d'effacer toute trace d'émotion afin de ne renoncer devant rien pour sa mission. Mais même le plus grand des ninjas ne peut pas contrôler ses propres sentiments. Pas même toi, Zabuza. Donc, ça eut... j'ai pas pu le dire, excusez-moi. Un vermisseau comme toi n'a aucune chance de me battre. Zabuza, pourquoi un homme comme toi travaille-t-il pour Gato? Gato. les ninjas sont des armes. Pour atteindre notre objectif, Haku et moi serons les armes qui vous tueront. Donc là, c'est bon, je crois que c'est bon. Salut tout le monde, c'est Kuze, comment vous allez? Eh ben, moi, je vais super bien. Là, je me retrouve un peu dans le calme pour une fois dans la maison. Donc, on se retrouve pour l'histoire et l'épisode numéro 2 de ce Let's Play sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generation. Et on se retrouve donc pour l'histoire avec Zabuza et Haku, qui sont donc les premiers ennemis que notre cher héros... avec son équipe, mais putain il va venir, que son cher héros Naruto rencontre pour la première fois. Donc Kakashi va donc affronter, putain j'arrive, non je n'ai plus de transmutation, bordel de merde, voilà. Donc là je suis en train de me faire défoncer, attends, mon dieu, mais calme-toi, attends, dégage, je ne veux plus te voir, Kakashi. Non. Ah bah je crois que je vais me faire démonter. Alors, dragon à queue. Là, j'ai te fait ça dans les dents. Vas-y, viens te battre. Viens me pitié, Kakashi. Et là, allez, viens. Fonce dans moi. Non mais pas maintenant. Ah là, petit combo magnifique. Je ne peux pas. Vas-y, viens. Vas-y.
Attends, espérons qu'on puisse... Non! Non! Oh putain. Merde. Pardon. Bon, j'ai un peu fait un gros fail en début de cet épisode. Oui. Alors là, je vais me concentrer. Surtout que je ne sais plus ce que je disais. Voilà, super boule. Oui, donc ce sont les premiers bonhommes que nos héros rencontrent. Et là, ça n'a pas marché, je ne sais pas du tout pourquoi. Et donc, je trouve ce combat déjà assez difficile, le premier. Il me semblait pas que c'était aussi dur la première fois que j'ai fait. Donc voilà. Vous pourrez dire que je suis une brêle sur ce jeu, c'est un peu le cas. Donc, Kakashi va donc affronter Zabuza et Haku va donc affronter Naruto et Sasuke. Quand ils sont petits, bien évidemment. Et là, on contrôle les méchants. Enfin, les méchants, on peut dire ça comme ça, parce qu'à vrai dire, ils travaillent pour quelqu'un, c'est pas comme si c'était méchant. Et à vrai dire, je vais vous raconter un peu l'histoire de Zabuza. Et ben, il a putain de gros d'épée dans le coup de la gueule de Kakashi. Et donc, en fait, quand il était petit, l'examen de Chunin, oui, pour passer Chunin, et ben, c'était donc de tuer tous ses camarades ninja. Et pour passer Chunin, c'était ça la chose à faire. Donc Zabuza a parcouru ça et du coup, ben, il a passé un très mauvais moment et du coup, ben, il n'a plus trop les yeux en face des trous. Et puis ça fait que, ben, il est pas très gentil, quoi. Mais bien évidemment, à la fin, je ne dis rien, vous verrez ça à la fin de l'épisode. Donc vous voyez qu'il a une putain de grosse épée que Suigetsu possédera plus tard. Si vous connaissez déjà le manga. Si vous connaissez pas, tant pis, vous verrez bien par la suite du let's play. Donc on va relire encore une fois, je crois que je vais céder. Je vais arrêter de lire, des fois, parce que c'est chiant. La fureur de Zabuza était intense. Mais j'avais le sentiment qu'il essayait de réprimer ses propres doutes. Pendant ce temps, Naruto et Sasuke affrontaient l'autre ennemi, Haku qui leur donnait bien du mal. Haku était l'arme de Zabuza, il suivait la moindre de ses désirs. Il n'utilisait ses pouvoirs miraculeux qu'au nom de Zabuza. Mince, il est trop fort. Si ça continue... Et encore, ça n'est pas fini, je refuse de m'abandonner. Je n'ai rien contre vous, je ferai juste ça pour Zabuza. L'heure de votre mort, sonnez. Donc cette fois-ci, on contrôle Haku qui veut se battre contre Sasuke. Donc voilà. C'est parti. Super attaque de la mort qui tue. J'ai jamais réussi à la placer cette attaque, je crois bien. Oula, j'ai fait un truc de fou là. Non, en fait, non, j'ai rien fait. Donc, Haku maîtrise la glace. Est-ce que vous pourrez me dire en commentaire si c'est une meuf ou un gars? Parce que j'ai jamais su dans le manga. Parce qu'à vrai dire, il paraît que c'est un gars, mais vu qu'elle a la coiffure d'une meuf, elle parle comme une meuf, voilà, j'ai jamais vraiment su ce que c'était. Donc voilà, si vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est un gars ou une meuf, c'est très bien sympa, parce que je n'ai jamais vraiment su ce que c'était. Donc, on se bat contre Sasuke, que normalement se fait, Haku lance une attaque contre Naruto, et Naruto, vu que c'est un gros player richer encore à l'époque, et ben il se planque en boule et puis Sasuke le protège et du coup il se prend toutes les épines que Haku lui envoie. Et donc après Naruto s'énerve et il devient en mode super Kyuubi de la mort pour la première fois. Et merde, je n'ai plus de truc. Et du coup, voilà. Après je sais plus comment vraiment se passe cet épisode. J'essaie de vous montrer l'attaque spéciale de Haku. Voilà. Boum, ok, c'est pas grave. Je ne la vous montrerai pas, mais elle meurt. Bon. Mais c'est pas vrai. Super drift de truc. Yaha. Enfin, pas du tout, on s'en fout de lui. C'est pas vrai. Pourquoi c'est toujours à la fin qui me donne autant de mal? J'ai massacré tout le long et puis. Voilà, tiens.
T'as plus de ventre. Bon, voilà. Je vais créer quelque chose, t'as posé, Zabuza. Donc, on va continuer avec ces petites aiguilles. Puis le cochon tout pavot. Tous les types de soutien pour. Ah, bah tiens. Une nouvelle image du cadre. Oh, tiens, bah tiens. Donc, c'est parti, on va relire un coup. Oh, désolé. Haku poussa Naruto et Sasuke dans leur dernier rapprochement. Sasuke tomba blessé et seul Naruto restait debout. Des forces. Enfin bref. La victoire de Haku semblait inévitable. Mais en voyant ses blessures de Sasuke, Naruto rassembla ses forces prêts à continuer le combat. Haku affronta Naruto maintenant, gagné par la rage. Je vais t'écraser. Qu'est-il au juste? Et on va se rebattre encore une fois contre Naruto tout seul. Que normalement il était en mode pas beau. Peut-être qu'on va se rebattre avec lui encore une fois après en mode pas beau, je sais pas. Donc après je pense que je vais pas continuer à lire. Je laisserai des petits temps. Et puis si vous voulez lire, vous mettez pause sur la vidéo et puis vous lisez. Parce que moi je connais déjà tout et j'en ai plus marre de lire en fait. Bon bah voilà la texte spéciale de Haku. Elle fait un igloo et puis elle fonce dedans partout. En plus, ça arrive. Donc, Naruto, tu vas manger la fureur de Trink Trukujin Boom Bam Bim. Et hop, t'as fait de ventre. Et encore une attaque, allez hop, tu vois bien ça. Non. Oh, non, il a fait le shuriken de l'ombre, mais je ne sais pas quoi. Allez. Je sais, j'ai dit n'importe quoi, j'ai rien à dire. C'est complètement stupide. Allez. Vas-y, allez, super coup de pied de la mort qui tue. Super, one kick, Maoshi, truc, bidule, truc, aïe. Oh putain, oh si je meurs là, par contre, c'est un putain de gros fail. Vas-y, super réveil de la mort. Avec le masque de Anonymous. Aiguille, 1000 aiguilles, 1152 aiguilles, 1192 000 trucs, aïe. Technique secrète, déploiement de queue fatale. De queue fatale. Donc voilà. J'ai gagné encore une fois, c'est magnifique. En fait, je crois que je ne serai plus au calme une fois. Il faudrait que ça n'empêche une fois. Et donc là, je serai plus au calme. Vu que ma mère vient de rentrer, malheureusement. Je ne serai plus au calme. Et puis donc, vous pourriez entendre quelques bruits de fond désagréables. Donc là, vous pouvez lire. Parce que moi, je n'ai plus trop envie de lire. Donc, si vous voulez, vous mettez pause. Là, elle a plus le truc parce qu'elle s'est fait défoncer. Donc Zabuza n'est pas gentil, il raconte l'histoire que quand il a raconté à Haku qu'il était tout petit, enfin qu'elle. Donc là, il dit que c'est déjà fini, lui il dit que ta fin est proche, donc on se rebat encore une fois contre Kakashi qui... on m'en refait exactement le même combat que tout à l'heure, sauf que Zabuza est un peu plus méchant cette fois-ci, et qu'il est tout seul vu que Haku est ou il est mort. Dieu seul le sait que si c'était un garçon ou une fille, je n'ai jamais rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois que j'ai bien fait de sauter, même si je n'ai pas fait exprès. Bon, le mec, je suis quand même en train de le trancher en 152 fois là, et le mec, il est toujours pas coupé, hein, quand même. Comme là, par exemple, normalement, il est quand même. Je suis censé me découper en deux. Ou comme là, aussi, lui découper la tête en 150 milliards de morceaux. Mais ce n'est pas grave, on va rien dire. Fonce dans le bruit. C'est pas une fois qu'il n'y a plus de brouillard qu'il faut foncer dans le brouillard. Hein. C'est pas vrai, c'est débile ce mec. Faudrait que je développe des super techniques. Parce que sinon, ça fait que je spam tout le temps. Et puis c'est pas très intéressant à voir pour ceux qui regardent. Sinon, je remercie la FR Gaming Zone de me prendre. Car ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit que. Cette vidéo était d'une excellente qualité, donc je vous remercie beaucoup.
Et donc, Salt Prey sera publié sur leur chaîne si tout se passe bien. Il n'y a pas environ de problème de droit d'auteur ou de quelque chose dans le genre. Ce qui est bien chiant, disons. Donc voilà. Donc Mr. K.O. Donc Mister Yeux Rouges est donc mort. Et puis là il est vraiment pas beau parce qu'on dirait qu'il a pas de sourcils. Enfin bref. 8000 rires, magnifique. Est-ce la fin? Ou est-ce pas la fin? Suspense. Je crois bien que c'est la fin. Ça vous a été dit une de cette dernière. Donc voilà, après le pont, donc où c'est qu'il se trouve, après se nommer le pont Naruto, Zabuza se prend le Chidori de Kakashi dans le vide. Zabuza n'est pas content, Zabuza se rappelle qu'il est quand il était tout petit, Zabuza se fait prendre le coup par Kakashi. L'employeur de Zabuza vient avec une embuscade pour donc tuer Zabuza avec tous ses employés. Et donc il y a une cinématique de fin, donc je vais vous laisser l'apprécier tout seul. Et on se retrouve pour un prochain épisode du Let's Play. Salut tout le monde. ずっとおそばに置いてください。この水を一気に一人で勝てると思ってるのか。ザブザさんの夢は僕が叶えます。忍びに感情は不要。だが、どうやら俺も無理だったようだ。吐く。連れてってやるよ。あの子のもとに。かかし。雪？悪いな、カカシ。ハク、泣いているのか？ずっと、ずっとそばにいたんだ。せめて最後も、お前のそばで。できるなら、お前と同じところに行きてえな、俺も。行けるさ。ザブザ、二人一緒に。これが最後の術になるだろう。キリン！
雷鳴と共に散れ。全てはイタチが仕組んだ戦いだった。あいつはお前のことが何よりも心配だった。血の涙を流しながら、感情の一切を殺して里のために同胞を殺しまくった男が、どうしてもお前を殺せなかった。その意味がお前にわかるか。あいつにとってお前の命は。許せ、サスケ。これで最後だ。